Bon matin, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 8h34. Bon mercredi, bon nombre de la semaine. On avait la musique de ma fille à ma gueule. J'espère que vous avez bien dormi. Ce matin, je vais vous montrer mes petits achats que j'ai faits. Jour de travail à papa. J'étais capable de vous mettre un jeu en ligne à matin. La maman pour déjeuner, elle va se faire un petit yogourt. J'ai bien réussi ma mousse. Je pense que je vais me faire chauffer quelques fraises. Chez Bath & Body, je me suis acheté deux savons pour les mains. J'aurais pu en acheter plus. Mais là, je vais y aller avec mon budget aussi pour m'en garder justement pour en fin de semaine. Mais je pense que je vais y retourner. C'est juste qu'il y a épuisement des stocks. Fait que je me suis acheté le Fiji White Sand. Ensuite, j'ai acheté Turquoise Water. Ça va aller dans ma cuisine, dans les teintes de bleu marin. Ça va être juste parfait. Avec des notes de bergamote lisse et brune d'océan. Ensuite, j'ai acheté des savons pour le corps, des gels douche en format mini. Ils étaient 2 $. C'était vraiment pas cher. J'ai acheté le Beach. Celui à la rose. Dark Kiss. Dark Kiss. C'était 2 $ chaque, là. C'était vraiment pas cher. Ça sent bon, ça sent comme les jujubes au raisin. Vraiment, non? Le reste, c'est des antibactériens. J'en avais déjà. Puis là, les antibactériens étaient 50 cents. Oui, 50 cents chaque. Puis d'ailleurs, d'habitude, c'est plus cher que ça. J'en ai pris 6. Fait que dans le fond, j'en ai pris. J'ai pris le Mango Cove. Somebody Love You. Tutti Frutti Candy. Le Island Margarita. Le Watermelon Lemonade. Le Passion Fruit and Banana Flowers. Fruits de la passion et fleurs de banane. J'ai pris seulement 2 affaires. Ça fait rapport. J'ai pris un eau de linge pour mettre sur le lit, sur les têtes d'oreiller, pis tout. Je l'ai pris en petit format, mais t'as pas besoin d'en mettre. Fait que j'ai pris un eau de linge, je l'ai pris à la senteur coton blanc et lavande. Ça sent définitivement bon. Ça sent comme si nos vêtements sortaient de la sécheuse. Pour ceux qui utilisent de la souceur, tout. Puis l'autre produit que j'ai acheté, qui est quand même ça c'était 7,95$, puis ça c'était 8,95$, c'est un bon format, pareil, c'est du nettoyant tout usage. J'ai pris pivoine et lavande, donc ça va tellement sentir bon quand je vais nettoyer mes dessus de lit, pas mes dessus, mais mes dessus de table de chevet, le comptoir, peut-être pas dans la cuisine, mais dans le salon, en bas, puis dans sa chambre à Amelia aussi. 15 pour un méchant format pareil. Puis j'ai reçu des petits échantillons. La maman va finir par sa 2 gels fraîcheur, un pour mon conjoint et un pour moi. Et vu qu'il est très liquide, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Puis un gel douche sous bois. Aussi, vous voyez, là, c'est vraiment très minuscule. Mais on n'en a pas besoin de beaucoup. Peut-être le gel douche, je vais l'utiliser d'une chose, puis peut-être pas pour toutes les parties du corps. Mais c'est quand même pratique, puis tout. Fait que. C'est ça pour mes achats d'hier. Puis je me suis acheté des sushis, comme vous avez pu le voir. Je me suis acheté un refresher à l'ananas
Et passons entre. Passons entre. Il n'y a plus de la passion. C'est ça. Fait que moi, je vais retourner dans le salon. Je vais voir qu'est-ce que ça va lui tenter de faire. Elle n'a pas voulu faire la sieste un matin, mais elle a fait une sieste tantôt vers. Après dîner, là. Elle était chigneuse, fait que je l'ai couchée. Papa va arriver un petit peu plus tard aujourd'hui. Fait que moi, j'avais envie de peut-être aller cuisiner des quiches aux épinards pour madame. Pour commencer à y introduire des aliments, comme faire des mini-recettes que je vais congeler, parce que j'amènerai pas ça avec toi au Sherbrooke en fin de semaine. Hein. Je vais continuer de donner du lait pis tout. Fait que c'est ça. Fait que moi, je continue ma journée, puis on va se reparler sûrement plus tard. Ciao, les amis! En passant, je sais pas, je vous ai dit, t'es quelle heure? Mais il est 2h50, il est presque 3h. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Moi, j'ai passé quand même une belle semaine. Aujourd'hui, hier, j'ai pas vlogué, mais aujourd'hui, je vous vlog nos préparations de voyage. Dans le sens, c'est aujourd'hui que je vais enclencher la finalisation des bagages. Que je vais enclencher le ménage aussi avant de partir. Mais avant tout, on va commencer avec un bon café, puis je vais me faire un petit latte. Je me suis préparé un tartare de saumon. J'ai mis de l'avocat. J'ai mis un avocat, des concombres, des fraises. Mais on est allé porter mon chien à Saint-Jean-Port-Joli. Puis je pense que le vlog de mercredi, je vais le combiner avec jeudi. Parce que j'ai pas beaucoup de contenu. J'ai réussi en faisant à tous les jours. Mais mercredi n'est pas assez rempli, que je vais le remplir avec hier. Hier, puis peut-être aujourd'hui, là, je vais voir si j'ai assez de contenu. Mais il me reste un dernier montage à faire. C'est celui de mardi. Aujourd'hui, vous avez un vlog en ligne. Depuis 6 heures.
Ben, j'ai acheté ces couches-là, c'était 7,99 $. Il n'y a pas eu de problème. Ensuite, je vais m'apporter un sac de tuiles. Tout le monde a tout ce que je vais m'apporter comme nourriture, mais j'ai pas terminé. Ça, je vais attendre un peu. Je vais apporter du jus pour nos déjeuners. Parce qu'on n'ira pas manger au restaurant tous les matins pour déjeuner. On va manger à notre Airbnb. On a un studio pour la première nuit à Victor. Puis on a une chambre dans un appartement à Sherbrooke. Fait que, on a notre studio et on a accès à la cuisine et tout. Puis je vais amener une boîte de céréales, je vais amener un pain pour se faire des sandwichs au courant de la journée. Puis là-bas, j'ai racheté de la viande à sandwich sur place. Là. Tout ce qui va au frigo, on va aller sur place. Et quand je vais arriver à Victor demain, je vais arrêter à l'épicerie, acheter des petites choses pour le souper. Ma maman a acheté des choses pour Amélia encore. Ouais. Puis merci à tous pour vos suggestions de restaurants. J'ai reçu plusieurs idées de places où aller. Fait que c'est sûr que je vais vous filmer les endroits où je vais avoir été manger ou faire des activités. Puis si on se voit ou que vous me voyez, là, soyez pas gênés de venir me voir. Là. Maman va donner à manger sur le divan. Mais j'ai déjà une robe ou quelque chose qui ressemble dans cette couleur-là et ce motif-là. Ça, c'est un pantalon G. Fait que, qui avait 70% de rabais, ça vaut vraiment la peine. Avec les petits pantalons comme ça. C'est pour toi, ça? Aujourd'hui, elle porte un pyjama 9 mois, papa y a mis hier. Saisie, elle grandit, la petite madame. Puis regardez mon nouveau fond d'écran. Ça sera toujours, toujours et toujours des photos de Mia ou de famille. J'ai essayé finalement de faire les petites. Omelette ou mini quiche aux épinards, il y en a plusieurs qui ont renfoncé par en dedans, mais c'est pas grave, je les ai mis au bon de la page. Nye, nye, nye. Et toi aussi? Moi, je vais vous laisser. Puis aussi, il faut que je démêle. Faut que j'enlève tout ce qu'il y a dans la couchette, dans le parc, parce qu'on va l'emmener demain, parce qu'on sait pas si là-bas il y a des choses pour faire dormir les bébés, fait qu'on va l'emmener pour être sûr. Puis, je sais pas si je vais emmener son petit bain comme ça, juste le petit bain.
allez bien. Il est présentement 9h58 et je m'apprête à faire des muffins qu'on va emmener demain en lunch ou demain au courant de notre périple, de notre voyage. Fait que je vais vous montrer les ingrédients. Enfin, j'ai trouvé la recette sur la parfaite maman imparfaite. Je mettrai le lien dans la bonne description. Fait que pour la recette, il va nous falloir du sucre, de la vanille, la compote de pommes, mais moi je prends de la compote de pommes comme ça, puis j'en ai plus d'autres. Après, j'allais m'en acheter chez Costco. Des bananes, puis moi je vais faire la recette en deux, fait que c'est pour ça que j'ai tout sorti mes bananes. On va avoir besoin de farine. Des œufs, des fraises, du bicarbonate de soude, du sel, des graines de chia, mais c'est pas obligatoire. C'est à peu près ça. Fait que pour commencer, on commence avec les ingrédients humides. Je vais sortir mon petit fouet. Je n'ai rajouté la compote de pommes. Il demande 2 tiers de sucre. De la vanille. La maman s'est fait un deuxième café pour rester en forme. Dégeler les bananes. J'y viens d'ajouter les bananes. La farine. Il demande 1 tasse et 2 tiers. Ah, et là, ma demi. Je l'avais laissé dans le... Bien, il est présentement 12h31 et ma petite pitoune a fait une petite micro-sieste. Elle a dû dormir en... J'ai avancé un peu le montage d'un vlog. Puis là, je suis en train de vider mon lave-vaisselle puis de le remplir à nouveau. Avec la supervision de mon amoureuse. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 12h15. Et je viens de terminer la valise de la petite madame. Là, je vais ranger un peu la maison. Parce que vu qu'on a défait le parc, ben, je vais ajouter 4 débarbouillettes dans son sac à couche. Ensuite, mon pain et mes muffins. C'est rangé. Parce que je veux qu'à soir, on mette tout dans la voiture, que demain, mais que je pars, tout est prêt. Il y a juste la machine de bruit blanc qu'on va... je vais ajouter demain. Je pense que je vais me garder une paire de clôtures courtes ici, pour demain. Moi, je me suis déjà sorti une partie de mon linge pour demain. Des choses qu'on peut pas finaliser tout de suite. Et dans un sac pour demain. J'en ai déjà mis 4-5 dans son sac à couche avec de la poudre. Demain, en partant, je vais arrêter à la pharmacie. Ou je vais partir avec un biberon d'eau chaude pour commencer. Puis je voudrais aller à la pharmacie pour aller lui chercher. De l'eau bouillie, là. Pour pas avoir à
à courir d'un bord puis de l'autre, c'est que demain, elle va mettre, tu t'es pas dans la température, des petites crêtes courtes noires avec un petit chandail avec le petit chat. Fait c'est ce qu'elle va mettre demain. Fait qu'elle a son kit pour demain. Papa, il a son kit pour demain. Puis maman, il manque une paire de pantalons puis des bobettes pour demain. Moi, j'essaie aussi, moi aussi, de m'emmener plus de linge que prévu. J'ai vidé la poubelle à couche, mais je pense que demain, j'aurai pas le choix de la vider ou à soir, mais qu'elle soit un peu avant qu'elle se couche. J'ai lavé ses... Je ne dirais pas. Ça va? Je vais lui amener sa vitamine. Que d'ailleurs, je vais lui donner. Fait que. On va retourner dans la cuisine, finaliser les trucs. Je vais emmener ma poutine, ça c'est sûr. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Désolée de mes lunettes fumées, là. Ah, il fait chaud. J'espère que vous allez bien. On est allé manger une petite crème molle à la Tombola, qui est à un bar laitier où est-ce qu'on va. C'est mon chum, il est dehors. Puis après ça, on est allé se promener un peu en auto. La petite madame elle s'est endormie. Je pense qu'elle avait besoin de sommeil. J'essaie, là, je fais chauffer le four. Je devrais pas. Parce qu'il fait chaud. Mais bon. Faut bien souper. Après d'avoir été à la Tombola, on est allé se promener sur l'autoroute. Puis mon chum, il a envie d'aller faire un petit tour à l'aéroport. Bon, les avions qui atterrissent, mais c'est surtout pour Amélia. Mais elle s'est endormie dans la voiture, fait que... Elle n'a pas pu voir les avions. Puis il y avait des avions vraiment étranges, toutes noires, avec un peu de rouge. Je vais chauffer deux sortes de frites, les frites épicées, puis les frites assaisonnées, là. Je vais ajouter un petit peu plus de fromage parce que je trouve qu'il n'y en a jamais assez. J'ai un restaurant de mozzarella avec pepperoni puis bacon. Voici les pommes de terre assaisonnées puis les frites épicées. C'est ça, les pizzas. Ça va aller au four pendant 15 minutes. Et c'est ce qu'on va manger pour souper.